Béréchit, Genèse, chapitre 19. Or sur le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna le visage contre terre. Il dit, « Voici, s'il vous plaît, mes seigneurs, faites un détour, s'il vous plaît, par la maison de votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bonne heure, et vous irez votre chemin. » Ils dirent, « Non, mais nous passerons la nuit sur la place. » Mais il les pressa beaucoup, et ils se détournèrent pour aller chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur fit un festin, et fit cuire au four des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, environnèrent la maison, depuis les jeunes hommes jusqu'aux vieillards, le peuple entier. Ils appelèrent Lot, et ils lui dirent, « Où sont les hommes, qui sont venus cette nuit chez toi ? Fais-les sortir, afin que nous les connaissions. » Mais Lot sortit vers eux, à l'entrée et, ayant fermé la porte derrière lui, il leur dit, « S'il vous plaît, mes frères, ne faites pas le mal. Voici, s'il vous plaît, j'ai deux filles qui n'ont pas encore connu d'homme. Je vous les amènerai, et vous leur ferez ce qui est bon à vos yeux. Seulement, ne faites pas de mal à ces hommes, car ils sont venus, à l'ombre de ma poutre. » Ils lui dirent, « Va-t'en loin d'ici. » Ils dirent aussi, « En voilà un qui est venu comme étranger, et il veut nous gouverner, nous gouverner. Maintenant, nous te ferons plus de mal qu'à eux. » Ils poussèrent fortement l'homme, Lot, et s'approchèrent pour briser la porte. Mais ces hommes étendirent leurs mains, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement, les hommes qui étaient à la porte de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se lassèrent à chercher la porte. Alors ces hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici qui t'appartienne ? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri de détresse contre ses habitants est grand devant Yahweh. Yahweh nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit, et parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles, et dit, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car Yahweh va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Lot monta de Tsoar, et habita sur la montagne, avec ses deux filles, car il craignait de demeurer dans Tsoar, et il se retira dans une caverne, avec ses deux filles. L'aînée dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme sur terre pour venir vers nous, selon la coutume de toutes les terres. Allons, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que la semence de notre père vive. » Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné vint, et coucha avec son père, mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et il arriva le lendemain, que l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin, cette nuit encore, et va coucher avec lui, afin que la semence de notre père vive. » Cette nuit-là encore, elles firent boire du vin à leur père, et la plus jeune se leva, et coucha avec lui. Mais il ne s'aperçut, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot conçurent de leur père. L'aînée enfanta un fils, qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune aussi enfanta un fils, qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des fils d'Ammon jusqu'à ce jour.